le lancement du projet, nous avons voulu créer le flottube le plus confortable possible. Nous avons constaté qu'il était plus confortable d'avoir un siège et un dossier gonflable plutôt qu'en mousse. Quand on pêche en flottube, on passe la journée sur l'eau, mais on n'a pas envie d'être dans l'eau. C'est pourquoi l'assise est suffisamment haute et permet de rester au sec. Nous avons aussi travaillé l'inclinaison du dossier. On choisit celle qui nous convient. Le dossier est maintenu par les surpiqûres des sangles de réglage et on est bien assis pour bien pêcher. Ensuite, comme c'est encombrant de transporter un flottube, nous avons pensé des bretelles qui sont à l'arrière du dossier. Cela présente deux avantages, le confort au niveau des épaules et le fait de rester au sec même si on sort juste de l'eau. Et une fois qu'on l'a dégonflé, on peut voir qu'il est réellement compact. Puis l'équipe a travaillé le confort de pêche, c'est-à-dire comment optimiser le temps de pêche. Nous avons donc développé des bacs spécifiques au flottube. Ils sont modulables, on les place où on veut. Ils sont rigides, on peut les ouvrir et les fermer simplement. Nos boîtes rentrent parfaitement à l'intérieur et les hameçons ne se piquent pas dans la matière. Et enfin, les palmes. Nous voulions qu'elles favorisent le déplacement sur l'eau, quel que soit le mouvement du pêcheur. Elles ont donc une forme exclusive, mais aussi un système d'attache très simple qui permet de les mettre et de les enlever d'un simple geste. C'est ça aussi le confort. Thank you.